Eh bien, c'est le moment de partir en chasse des cocottes, je pense. Je pense que j'en avais vu une par ici. Où est-elle? Elle est là. Viens là, ma petite cocotte. On doit te ramener à ton maître. Ton maître passionné des cocottes. Attends, il a ruiné son mariage pour toi. Alors tu peux bien nous aider un petit peu, non? Tu lui dois bien ça, tu ne crois pas? En tout cas, j'aime bien les couleurs de ces cocottes. Elles sont sympas. Alors, par contre, une question. Est-ce qu'on peut désactiver ce détecteur chez Ika? Désactiver. Voilà, on le réactivera quand on en aura besoin. Parce que franchement, sinon il va vous casser les oreilles en permanence. Déjà qu'il y a moi pour vous casser les oreilles, on va peut-être se calmer. Hein. Allez, hop. Non, non, viens là. Viens là, ma cocotte. J'avais dit cocotte en tout. L'idée de perdre ne serait-ce que l'une d'entre elles m'est insupportable. Et je n'en ai récupéré que quatre. Elles doivent se sentir si seules sans leur papa poule. Je t'en prie, ramène-les-moi vite. Moi aussi, je me sens seul. Alors, effectivement, du coup, il faut bien en chercher 7 comme dans Ocarina of Time, finalement. Parce que, du coup, il en avait déjà récupéré quelques-unes. Est-ce qu'on peut apercevoir d'autres cocottes? Tiens. Ok, il y en a une ici. Elle était vachement près de l'autre. Alors, j'imagine qu'il y en a une ou deux qui vont être très très bien cachées, mais on va bien voir. Allez, ne t'inquiète pas, ma cocotte, c'est pour ton bien. Tu vas retourner dans ton petit enclos avec tes potes. Tes potes cocottes. Oh là, j'ai l'impression que je l'avais jeté un peu loin quand même, mais c'est passé, c'est passé. Alors, y a-t-il des cocottes dans le coin? Et il y en a une ici. Alors, on doit être à 5, 6. Il va nous en rester 4 après ça. Très bien. Et lui, au fait, il peint quoi dans tout ça? Ah, C'est très ressemblant. En quelque sorte, hein, le talent n'est pas forcément très présent, mais qui suis-je pour juger? Des petits enfants partout. Vous ne nous intéressez pas, les petits enfants. Nous, ce qu'on veut, c'est des cocottes. Est-ce que je pourrais pas... Attendez voir. Si je pouvais escalader cette maison, j'aurais une meilleure vue, non? Bon, j'ai l'impression qu'on peut pas. Le toit n'est pas fait pour... Ah, mais peut-être en passant par ici. Très bien. On peut escalader les toits des maisons. Ça, c'est cool. Et sans grappin, en plus. On aimait bien le grappin, mais bon, quand même. Alors. Eh bien, pour le moment, je ne suis pas plus avancé. Je ne vois pas de cocotte. Très bien. Tant pis, ça valait le coup d'essayer, très franchement. Il n'y a pas une cocotte qui fait de l'apnée. J'en ai pas l'impression. Peut-être qu'on aura une meilleure vue depuis un autre toit. Celui-là m'a l'air plus gros en plus. Je ne vois pas de cocotte. Ninja! On se déplace de toit en toit. Il n'y a pas de cocotte sur la maison d'en face quand même, non? Ah, il y a une cocotte sur la maison d'en face, mais pas la maison que moi je regardais. Alors, il va falloir escalader. On en était sûr qu'il y aurait une cocotte sur un toit, hein. C'était un peu obligé. Allez, est-ce qu'on va y arriver? C'est passé, très bien. Ah, mais il y a un sanctuaire juste au-dessus du village, quoi. C'est cool, c'est cool, c'est pour ça que mon détecteur s'affolait. On peut toujours planer grâce aux cocottes. Ça, c'est vachement sympa. Il t'en manque combien, mon grand? Parce que là... je suis un peu à court d'idée. J'avais 10 cocottes en tout. L'idée de perdre ne serait-ce que l'une d'entre elles m'est insupportable. Et j'en ai récupéré que 7! Elles doivent se sentir si seules. Moi aussi, je me sens seul. Très bien. Mais il va falloir en récupérer 3. Or, je n'ai absolument aucune idée de où elles pourraient être. On va aller faire un tour du côté de l'entrée du village...
Peut-être qu'il y en a une tout à l'entrée. Je pense me souvenir. Mais après tout, je ne suis pas très sûr. En tout cas, il y a mon cheval. Il me semble pas qu'il y ait des cocottes. Tiens, éclat de rubis. La plupart des gens apprécient les gemmes pour leur beauté, leur pureté ou d'autres considérations esthétiques. Mais moi, c'est leur valeur que j'aime le plus. Il me suffit de penser à tout l'argent qu'elles peuvent rapporter pour avoir des frissons. Roblico, tu n'es pas très poétique. La poésie vient de mourir aujourd'hui. 2017, la mort de la poésie. Tout ça pour l'appât du gain. L'appât de l'argent. Tu devrais avoir honte. J'ai déjà oublié ton prénom, tiens. Ce sera ta punition. Alors, je vais monter voir. Il y a forcément... Bah voilà, il y a forcément une cocotte ici. Pas très loin d'un sanctuaire, en plus. On ira faire le sanctuaire juste après, hein. Non, tu viens là, ma cocotte. On va juste aller jeter un œil. Sanctuaire de Taronihi. Ok, il semble pas y avoir de piège. Très bien. Je me demande jusqu'où, en dehors du village, elles peuvent aller, les cocottes. Allez, toi, cette fois, on va te poser. Il nous en manque toujours deux. Il n'y a pas une qui se serait planquée dans le coin. Non. Très bien. Ça devient délicat de les trouver, ces cocottes, là. Tiens. Ton visage, il me paraît vaguement familier. Ah, ça y est, je sais. C'est parce que tu ressembles au gamin qui a essayé de nous sauver autrefois au temps du grand fléau. C'est... En fait, c'est moi, je crois. Qu'est-ce que tu dis? Tu prétends que c'est toi, le brave chevalier d'il y a 100 ans? Elle est bien bonne, celle-là, mais ça prend pas, gamin. Si c'était vraiment toi, t'aurais la lame légendaire, l'épée purificatrice, comme on l'appelle. Ce chevalier légendaire, tu vois, on dit que pour affronter le fléau, il s'entraînait avec une lame taillée dans la plus belle carotte tempo. Quoi? La plus belle carotte tempo? Mais vous foutez de ma gueule, c'est pas une arme, ça. Qu'il a sculpté son corps en ne consommant que de la carotte tempo jusqu'à virer à l'orange. Et qu'il a purifié son âme avec des décoctions de carotte tempo. C'est ce que mon grand-père a toujours raconté, en tout cas. Alors arrête un peu de raconter des bêtises, grosse comme toi, gamin, et croque là-dedans si tu veux devenir fort. Carotte tempo! Bah c'est sympa de me donner une carotte. Il te faut des carottes, gamin, tu peux en acheter chez ma femme. Si tu veux devenir grand et fort comme le chevalier légendaire, je peux peut-être te filer un coup de main. Très bien. Toi, tu devras arrêter de croire ton grand-père, parce que franchement, ça t'a un peu tapé sur le système. Et du coup, tu commences à croire un peu n'importe quoi. J'imagine bien le chevalier légendaire qui vient sauver tout le monde de Ganon. Salut les gars, je suis tout orange parce que j'ai mangé trop de carottes. Ou alors que j'ai passé tout l'été à Angoulême et que j'ai bronzé sous leur soleil orange. Ouais, je sais pas pourquoi, je trouve qu'à Angoulême, les gens bronzent orange. C'est là que mes parents habitent, donc bon. J'ai eu cette impression. Attends, qu'est-ce que toi, tu lui dis, toi? Bref, Bourico, on peut te dire que t'as trimé comme un âne aujourd'hui. Je vais te donner une carotte. Enfin, tu comprendras que le client reste prioritaire s'il y en a un qui veut m'acheter des carottes. Dis, c'est le pactage de mon Bourico que tu ziotes. Tu veux voir la marchandise qu'il y a dedans? Je veux bien voir, mais tout le monde veut me vendre un truc. Par un temps pareil, les affaires marchent pas du tonnerre. Pour appâter le chaland, je propose pourtant ma barbaque la plus fine et mes champis les plus exquis. Non, je veux rien acheter du tout, en fait. Rien. Autre chose? Bah non, rien. Ah, il est sympa ton bouclier. J'aime bien les designs des boucliers des gens. Alors, ça nous fait sortir du village, mais est-ce qu'on peut trouver une cocotte? Il va où, lui, comme ça, en courant? Eh, hey, mon gars! Eh, hey, oh, attends, je veux voir ta trouille, ta tronche. Eh, hey, ouais, t'es trempé, ben moi aussi. Tiens, arrête-toi. Je m'inquiète pour toi, tu comptes pénétrer dans le château et y chercher des trésors, n'est-ce pas? Il paraît qu'on peut y trouver des redoutables armes, mais j'ai peur des créatures qui les défendent. Ah, c'est une bonne indication. Oh, tiens. J'ai jamais celui que je veux. C'est sympa, ça. Il y a des armes dans le château. Est-ce qu'on aurait tendance à y aller? Non, quand même pas. Topaz brut, ce précieux minerai d'une grande valeur marchande abriterait la puissance de l'électricité.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Démarrer un ordinateur grâce à ça? Ils n'ont pas encore été inventés les ordinateurs, donc l'électricité, merci, mais non merci. Alors, tout le monde court sous la pluie. Le bourricot, il aime l'eau. Gentil bestiole. Ouah, pardon, je t'ai fait peur, désolé. Je ne voulais pas. Les cocottes, les cocottes. Oui, dans tout ça, on cherchait des cocottes. Il nous en manque plus que deux. Ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Donc, pas être caché très loin non plus. Est-ce que des cocottes auraient pas pu se planquer dans une maison? Ah, je suis tombé. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans une maison, peut-être, non? J'ai des doutes quand même. Ah, il y en a une là. J'espère que tu ne t'es pas rééchappée de l'enclos, vilaine cocotte. Bon, bah, il m'en restera plus qu'une. Oh, il y a des escargots ici. Il y a quelque chose qui brille par là, sous le petit ponton. Eh ben, du coup, on va revenir voir ça. Bon, et en même temps, il y a des trucs qui brillent partout. Non, ça, c'est une torche. Il va me manquer encore une cocotte, quand même, hein. Où peut-elle bien être? Ah non, hein. N'importe quoi. Là-dedans. Et donc, il faut que je retourne checker là-bas. L'autre, il est pas là pour surveiller ses cocottes. Bah, tu m'étonnes qu'elles passent leur temps à s'échapper. Si t'es jamais là pour les voir, hein. C'est une belle citrouille. Mieux vaut attendre que le propriétaire revienne plutôt que de l'accueillir sans permission. Très bien. Ah, bah la voilà, la cocotte. Oh, ma petite cocotte. Il n'y avait pas quelque chose qui brillait sous un ponton. Ce n'était pas celui-ci. Un lézard. Alors, quel ponton c'était? C'est quoi ça? Prunelet de Mello, propriété privée. On dit prunelet pour là où on fait pousser des prunes? Eh ben, je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Tyrone. Pourquoi il court dans son champ, lui? Escargot, escargot. Et là, on a vu quelque chose briller. Une pomme. Comment elle atterrit là? Aucune idée. Dans tous les cas, on a trouvé notre dernière cocotte. Oh oh. Qui va là? Oups. Désolé de te déranger, mais cette prunelée est très chère à ma femme. Fais-y attention. Ben, je veux bien, mais il y a une poule là. Peut-être que j'aille tout doucement. Allez, petite poule. Voilà. Bon, il fallait peut-être tout simplement ne pas le faire devant lui. Forcément, si c'est la prunelée de sa femme, forcément, elle y tient à la prunelée de ses yeux. Ah, on est drôle, la prunelle de ses yeux, tout ça. Non, on n'est pas drôle du tout. Ah, désolé, c'était nul. Allez, hop, les cocottes perdues. Les cocottes perdues, oui, mais maintenant il faut retrouver le propriétaire des cocottes perdues, le propriétaire perdu. Où est-il? Il a plus de maison, donc il est peut-être sous la pluie maintenant, en permanence. Ou alors il est chez lui, là-dedans. Ah, c'est effectivement une obsession, là. Une obsession pour les cocottes. Moi, je fous de l'eau partout. Il est où, le propriétaire des cocottes, là? On n'est jamais là quand on a besoin de lui, hein. C'était pas toi, le propriétaire des cocottes. Il y a du mouvement du côté du gang des Gigastans. Si la protection de Dame Impa est primordiale. Et plus important encore, Link, je crois, reconnaître le battement d'ailes caractéristique des cocottes. Se pourrait-il que... C'est bon, je les ai. Oh, j'en étais sûr. Ce battement léger, presque aérien, le caquettement mélodieux de leur petit bec d'amour. Ah, il faut que je rentre, et vite. Quel soulagement de savoir qu'elles sont toutes en sécurité. Je te serai reconnaissant pour la vie, Link. Je t'en prie, accepte ce cadeau, c'est bien peu de choses en comparaison du service que tu m'as rendu. Ruby violet! Voilà qui me redonne confiance en la vie. Si seulement ma femme pouvait revenir, elle aussi. Mon pauvre petit. Donc on a les cocottes. Donc maintenant,
vous savez ce qu'il nous reste à faire. Sanctuaire. Hop, hop, hop. Sanctuaire. Après les cocottes, le sanctuaire, forcément. En espérant qu'on va pas rester bloqué 10 ans sur une énigme à la con comme la dernière fois. Enfin, elle était pas à la con. Pour le coup, c'était moi qui étais complètement idiot. J'avais cette pomme. Merci. Alors, que nous réserve ce petit sanctuaire? Qu'est-ce qu'on voit là-bas? C'est le château d'Hyrule. Sanctuaire de Taronihi. Ouvre-toi. Alors, que nous réserves-tu, petit sanctuaire? Rien de trop méchant, j'espère. Il y a un coffre? Taronihi t'accueille dans ce sanctuaire au nom de la déesse Ilia, reçoit son enseignement. Alors, il y a un coffre juste là, mais très franchement, moi je dis, ça sent le piège. Ah, non, ça sent pas le piège du tout. Bouclier de l'Égide. On dit que les Shaikas s'équipaient de ce petit bouclier en bois en raison de sa forme particulière qui ne les gêne pas dans leurs déplacements et ne crée pas d'angle mort. Vous n'avez pas assez de place dans votre sacoche. Forcément, on aurait dû s'y attendre. C'était trop beau pour être vrai. On va devoir se débarrasser. Eh ben, je vais en virer un moche. Parce que j'aime bien l'autre rouge. Allez, on récupère ça. J'ai l'impression que ça va être un duel ou quelque chose comme ça. Parce qu'il nous donne des choses. J'ai cru que ça allait être un labyrinthe de flammes ou quelque chose. Petit sabre de la défiance. Cette épée Shaika à la lame fine et au tranchant unique dont les qualités restent sans égale aurait été forgée selon des technologies antiques. Vous n'avez pas assez de place. Encore une fois, ce n'est pas une grande surprise. Il va falloir jeter quelques trucs. Donc, bien entendu, des branches d'arbres. Bien entendu, ce truc. Un jour, on jettera peut-être notre épée rouillée, là. En attendant, on va s'équiper de ça. Je sais pas contre quoi on va devoir se battre. Mais quelque chose me dit qu'on va le savoir assez vite. Oh. Il a une épée, celui-là. Esquive les attaques d'un saut latéral et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Okidoki. Est-ce qu'il peut nous tirer dessus? J'ai pas l'impression. Allez, tiens. Esquive les attaques d'un saut arrière et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Ah, maintenant il faut en arrière. Très bien. En fait, il nous entraîne au combat, c'est génial. Tiens! Donne un coup de bouclier pile au moment où une attaque ennemie va t'atteindre pour la repousser. Un bouclier repoussé. Ah! Ça, je savais pas. Attaque-moi, mon petit. T'allais pas m'atteindre du tout, là. Allez! Joli. Il va tomber en panne maintenant qu'il a servi à son propos. Accumule de l'énergie et relâche-la pour effectuer une attaque chargée. Ça, je sais déjà faire. C'est bien qu'ils nous apprennent la vie comme ça. Aïe! Tiens! Monstre! Non mais... Très bien, en fait, c'était... Tu maîtrises désormais toutes les techniques que je pouvais t'enseigner. Va au fond de la pièce. C'était une sorte d'entraînement, finalement. C'est cool. Je pensais pas qu'il y aurait des petits entraînements comme ça. Et un autre coffre. Glaive de gardien 1.0. La lame bleue de cette épée de nano-gardien a été forgée grâce à d'anciennes technologies. Et elle n'est pas très solide. 1.0, ça veut dire qu'on en est encore au moment où de l'internet où on mettait des gifs partout. Des gifs animés de chats qui dansent partout sur l'écran. Non, c'est pas ça. Alors, est-ce qu'on va nous donner autre chose? Opale brute. Très bien. C'est très sympa.
Hey, je veux ton chapeau. Décidément, personne ne veut me donner ce chapeau. S'il te plaît. En remportant la victoire, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Je vais pouvoir aller prier la déesse. Maintenant que j'ai normalement 4 emblèmes. Donne-le-moi. Merci beaucoup. Emblème du triomphe, ça nous en fait 4. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Bye bye. De toute façon, je savais bien que tu me donnerais pas ton chapeau. Bah j'espère que j'en trouverai un jour. Bien, on va aller prier la déesse. Tout de suite. Vous croyez qu'on peut aller en haut de la cascade? Je pense, hein. Mais regardez-moi cette ambiance de fou furieux. On se croirait à la Réunion. C'est génial. J'ai l'impression de rentrer d'une randonnée sous la pluie, comme ça m'est déjà souvent arrivé quand même. C'est juste génial. On a juste envie de se promener, de profiter de l'ambiance. Ah, le peintre est parti. Il devait pas faire de l'aquarelle, du coup. Pas de peinture à l'eau. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe, si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Plus d'endurance. Moi, je veux toujours plus d'endurance. Tu souhaites recevoir un réceptacle d'endurance? Ouais, c'est ce que je viens de dire. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Bah oui, du coup, si tu me posais la question pour m'offrir l'inverse de ce que je t'ai demandé, ça serait un peu dommage, tu en conviendras. Génial. Réceptacle d'endurance. Cet objet que vous avez obtenu après avoir triomphé d'épreuves augmente à la limite maximum de votre jauge d'endurance, mais ça, on le savait déjà. Très bien. Va et ramène la paix en Hyrule. Vous savez quoi? Avant de ramener la paix en Hyrule, j'ai envie d'escalader la cascade. Ça pourrait être drôle, non? Et je pense qu'on peut le faire en passant par ici. Maintenant qu'on a une bonne jauge d'endurance... par contre, je vais mettre mon bandana... Mon bandana d'escalade. Pour pouvoir mieux escalader. Voilà, ça va de soi, hein, ça paraît assez logique. On va peut-être glisser à cause de la pluie. Bien entendu, on glisse à cause de la pluie. On va tricher un peu. Ah, j'en conviens, Link, c'est fatigant, hein, je suis d'accord. Tiens, des flèches. Ça, c'est assez drôle. Ils ont été attaqués récemment par des Yiga, peut-être. Je veux cette flèche, merci. Si la pluie pouvait cesser, ce serait quand même vachement cool. Parce que l'escalade par temps de pluie, c'est un peu relou. On va jamais y arriver. Non, on n'y arrivera pas à cause de la pluie. Pourtant, il y a un sanctuaire auquel on veut accéder pas très loin. Ça, la pluie ne veut pas cesser. On va faire le tour. Peut-être que ce sera plus facile d'y accéder par là. Je sais même plus d'où on vient, nous. Est-ce qu'on est arrivé de par là? Non. Non, je pense pas. Là, c'est là où on a tout fait sauter. Arrête la pluie. Je suis obstiné. Tu ne sais pas encore? Non. Ah mais c'est pas vrai. Ah mais on peut pas grimper du tout en fait. C'est pas aléatoire, j'ai l'impression. C'est quoi ça là-bas? Il y a une ombre très bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Et la pluie ne veut pas s'arrêter. Eh bien, dis donc, on ne pourra jamais escalader cette cascade. Ou alors, il faudra revenir une autre fois. Dans tous les cas, je vais aller récupérer mon cheval, je pense. Je sais pas trop où je dois aller maintenant, en fait. J'ai pas vérifié. Qu'est-ce que je devrais faire? Les créatures divines. Les créatures divines. Les créatures divines. Les créatures divines, partout. Partout, partout, les créatures divines. Et sinon, il n'y avait pas un autre endroit où je devais aller? Un village, je sais pas quoi, là.
Non? J'étais persuadé. Relais, 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 relais. Ça, c'est tout ce qu'on a découvert. Il y avait une histoire de village. On va vérifier dans notre journal. Les flèches de feu. Alors, les torches du village, de précieux maracas. Quête principale. Vous devez retrouver ces crêtes. Ces quatre créatures divines, les anciens des quatre peuples pourront peut-être vous aider. D'après Impa, Zelda, vous aurez hein, le chef du laboratoire antique d'Elimith. Ce territoire, ce spécialiste de la tablette Sheikah pourra sûrement vous aider. C'est là qu'on veut aller. Voilà, maintenant c'est sur la map. Je vais aller récupérer mon cheval. Et si la pluie ne cesse pas, de toute façon, on va aller se mettre en route directement pour le village de Nemilith. Je crois que c'est le nom. Pas aller s'embêter non plus à tenter bêtement de d'escalader alors que ça ne passe pas. Les poules se sont de nouveau échappées. Très sérieusement. Ah, ça s'est réapparu. Tu veux que je rattrape tes poules ou quoi toi encore? Il y a du mouvement du côté des gangs, du gang des Yigas, pas trop mouillé. Ne t'inquiète pas pour moi, vois-tu, je porte une tenue traditionnelle du clan Sheikah qui est très résistante. Grâce à elle, nous pouvons remplir notre devoir, quelles que soient les conditions météorologiques. Alors ce n'est pas une petite pluie de rien du tout qui va m'empêcher de faire mon travail. Les Yigas s'agitent depuis ton réveil, mais rassure-toi, Dame Impa nous a chargé de te protéger coûte que coûte. Ok. Les objets métalliques attirent la foudre, donc il va falloir se méfier, parce que très clairement, on a une épée dans le dos. Et une épée, comme tout le monde le sait... C'est métallique! Jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Figure-toi qu'il y aurait non loin de ce village une magnifique fontaine de grandes fées. Non seulement elle serait splendide, mais en plus la visiter donnerait de mystérieux pouvoirs, blablabla. Et t'es pas en train de peindre, toi? Ah! Voilà le moment qu'on attendait tous! Le moment d'escalader les murs! Je suis content, je pensais pas que ça s'arrêterait, on va avoir le temps de faire ça. Juste avant de récupérer notre cheval. Ça, c'est parfait. Le haut de la cascade, j'arrive. On va peut-être faire une pause ici. Recharger notre endurance. Et on y retourne. J'ai peut-être été un peu optimiste. Non, on va y arriver. Allez, encore un petit effort, Link, tu y es presque. Non, me faites pas la blague. Et ça va le faire, pile au dernier moment. La loose. Bon, on va passer par un autre chemin. Bon, la caméra s'affole un peu. On va passer par un autre chemin. Moins haut, parce que j'ai pas envie de retenter l'escalade et de retomber, tout simplement. On va passer par ici. Oh la vache, peut-être pas. Ça pourra peut-être servir plus tard, hein. Désolé petit, petite grue ou petit héron, je ne sais toujours pas ce que tu es. Je n'ai pas checké. Voilà, ça devrait être beaucoup plus faisable par ici. On y est arrivé. Et il y a un autre sanctuaire par là, petit sanctuaire qu'on finira peut-être faire. Ah, on peut escalader encore. On croirait effectivement voir un pays asiatique. Par exemple, là, je pense, bah, c'est le seul que j'ai visité, vous me direz, mais je pense par exemple à la Thaïlande. Il y a des endroits comme ça dans des parcs. C'est pas un peu trop haut, ça? T'as l'air plus gros que d'habitude, toi. Il était effectivement plus gros que d'habitude. Alors, je vais faire le tour de ce truc pour voir si on peut monter. À mon avis, il nous faudra un peu plus d'endurance pour monter là-haut. En tout cas, on a une belle vue. Ok, ça, je l'ai déjà fait. Donc, du coup, l'autre sanctuaire, il est où, celui qu'on a repéré? Ah non, je l'ai pas fait du tout, celui-là. Très bien. Eh bien, écoutez, on va le repérer. Il est où? Je l'ai perdu. Et de 1. Et on en a vu un autre.
J'en ai vu un autre au loin, voilà. Mais il est vachement loin. Et il est où celui qu'on avait repéré avant? Est-ce que... Non, c'est certainement pas celui qui est dans la montagne là-haut. Décidément, il y en a partout. J'ai envie de monter, mais j'ai pas l'impression que je puisse. Oh, il y en a encore un autre là-bas? Eh ben... Bon, vraiment, est-ce que je peux monter ce truc? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Allez, il faut que je sorte de l'eau. C'était peut-être une mauvaise idée d'accélérer, d'ailleurs. Je crois que je suis mal parti. Non, c'est bon, j'ai réussi! Et on a une magnifique vue sur le village. C'est somptueux. On a repéré quelques temples. 1, 2, 3, 4, 5 temples, je crois. C'est pas mal. Que nous dit le détecteur de temples, pour le coup? Le détecteur Sheikha. Il nous dit pas grand-chose. Eh bien, je vois ça.